Qu'est-ce qu'une AVAP ? La AVAP, ou Aware de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, est un document réglementaire qui a pour objet de promouvoir le patrimoine bâti, mais aussi les espaces naturels et paysagers, dans le respect du développement durable. Elle prépare à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l'énergie, et une meilleure concertation avec la population. À l'initiative des communes, elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir, et surtout l'aménagement des espaces. Outre la protection et la mise en valeur du patrimoine, l'outil permet d'améliorer les approches urbaines en intégrant de la meilleure manière possible les besoins d'extension et de développement des communes. Pour la commune de Perrancey, la AVAP est le souhait que nous avions depuis plusieurs années pour protéger et de mettre en valeur tous les éléments remarquables de nos deux villages. Notre commune a un territoire qui est fait en deux parties, un plateau calcaire et une vallée riche en ressources en eau, avec une faune et une flore remarquables. Cette étude nous a permis de requalifier de nombreuses constructions, telles que les forts, les moulins, les éléments de pierre sèche, les lavoirs. La particularité que nous avons, c'est la conservation de nombreux sentiers qui sont bordés de pierres et qui ont un couvert végétal assez important, ce qui nous fait penser à l'origine du plateau de Langres. Nous avons voulu aussi associer agriculture et tourisme, parce que notre commune aujourd'hui est le trait d'union entre la ville de Langres et le futur parc national qui démarre à Voisines. Comme vous le savez, cette étude concernant la AVAP a été mise en place par mon prédécesseur, M. Gérard Janel. Notre nouvelle municipalité entre donc aujourd'hui au cœur de cette réflexion et dans le vif des contraintes réglementaires. Le vieux bourg est constitué de belles bâtisses qui ont été rénovées avec goût et en conservant le caractère de l'habitat ancien. Je souhaite avant tout et surtout qu'elle soit, pour chaque habitant de Champigny-les-Langres, un atout. Pour chaque propriétaire, une valeur supplémentaire à son patrimoine immobilier et que chaque habitant soit fier de vivre dans sa commune. Que la AVAP, en somme, fonctionne comme fédérateur pour l'ensemble de ses administrés. La AVAP permet de définir une zone de protection plus adaptée à la réalité du terrain, délimitée suivant plusieurs secteurs reflétant des espaces cohérents. La AVAP comprend des prescriptions architecturales et urbanistiques souples, car élaborées de manière consensuelle avec les communes concernées. La AVAP doit être un bon levier dans la valorisation de notre territoire, dans la mesure où il correspond à trois finalités essentielles. Maîtriser nos paysages dans leur authenticité, préconiser des aménagements qui valorisent et confortent la spécificité de notre cadre de vie, apporter une cohérence dans un souci de bon équilibre pour la conservation de notre richesse patrimoniale, dans une vision également de modernité dans nos projets. Alors la AVAP, c'est pour nous l'occasion de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine architectural, environnemental, nos richesses aussi, et de mener une réflexion sur ce que nous aurons à faire pour le protéger, le préserver, voire même l'enrichir encore. En conservant, par exemple, le bâti ancien dans sa forme, tout en nous laissant la possibilité d'y adjoindre des technologies
nouvelle dans le cadre d'une réflexion, par exemple. C'est la mise en place d'un certain nombre de règles que nous avons élaborées ensemble, en concertation. Pour une fois, des règles qui ne nous ont pas été imposées, ni dictées. Ce sont des contraintes supplémentaires, certainement, quelques-unes, mais des contraintes logiques, dirais-je. C'est une autre vision plus approfondie, plus fouillée de notre patrimoine et de notre environnement paysager. La VAP du paysage Langrois présente la particularité de regrouper 9 communes. Langres, Corlay, Hume, Jorquenay, Saint-Jaume, Peignet, Pérancet, Vieux-Moulin et Champigny-les-Langres. Elle forme l'une des AVAP les plus grandes de France avec entre autres celle du Val-de-Loire, celle des Côtes de Beaune et Côtes de Nuit et celle des Côtes de Champagne. Dans une Haute-Marne boisée à plus de 50%, dotée de paysages remarquables et empreinte d'une richesse historique, l'AVAP du paysage Langrois est la première du département à intégrer cette dimension paysagère que l'outil permettra de redécouvrir. Cette ambition, elle la porte jusque dans son nom. Ce territoire est aussi situé aux portes du futur parc naturel national, dont la dimension paysagère est avérée. La commune de Saint-Jaume s'est fortement développée ces 30 dernières années. Aujourd'hui, notre commune s'articule autour de la route départementale 74, véritable colonne vertébrale du village, avec de part et d'autre des lotissements, des zones d'activité et un village ancien en grande partie rénové. La VAP doit nous servir de tremplin pour engager une réflexion sur l'aménagement le long de la route départementale 74. Ou encore, nous accompagner pour un développement harmonieux de notre commune en complément des règles instaurées par notre plan local d'urbanisme. Mais aussi nous permettre de mettre en valeur notre bourg ancien et notre patrimoine. Je pense particulièrement à l'église Cassé, monument historique, aux maisons anciennes de caractère, au fort de la Bonnelle, au calvaire. C'est principalement pour ces raisons et aussi par solidarité intercommunale que la commune a souhaité adhérer dès le départ à cette étude de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Pour les communes, la mise en place de la VAP permettra une meilleure prise en compte de leur environnement bâti et non bâti à une échelle proche ou plus lointaine. La réglementation relative aux occupations des sols s'y applique de manière plus transparente puisqu'élaborée conjointement, contenant des règles relatives à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère. Elle offre un nouvel équilibre entre les prérogatives des communes et celles de l'architecte des bâtiments de France. Au final, qu'est-ce qu'on partage dans un territoire comme le nôtre, avec des communes qui sont si différentes par leur taille, par leur situation, par leur patrimoine, par leurs ambitions? Le paysage. C'est ça qui nous relie, à la fois la ville de Langres qui regarde les communes alentour, à la fois les communes qui regardent, et ce paysage que nous partageons. C'est la base de ce qui nous unit, et puis tout le travail que nous faisons ensemble dans le cadre de la communauté de communes. Donc je crois qu'il fallait, et tous les maires des communes qui ont adhéré à ce projet sont d'accord, qu'il fallait s'organiser pour non pas figer ce paysage et ce patrimoine, mais réfléchir à ce qu'il représentait pour nous et se donner les moyens à la fois de le protéger, mais aussi de pouvoir le développer, de pouvoir embellir notre territoire et le développer surtout encore une fois. Et je crois que la VAP, c'était cette structure qui permet en fait de travailler ensemble, non pas sur un règlement qui nous serait imposé, mais sur des règles que nous déciderions d'un commun accord. C'est un vrai travail collaboratif, c'est un vrai travail de partenariat. Enfin, je crois que c'est tout le travail qui a été fait ces derniers temps, et je crois que maintenant, une fois que les élus ont travaillé, avec les agriculteurs, avec les commerçants, avec les acteurs économiques, bien maintenant il faut rencontrer tous les habitants pour partager avec eux ce projet. C'est le but de la VAP, c'est le but des réunions qu'on organise aujourd'hui dans chacune des communes.